sœur, voici une lettre de la duchesse de Montefiascone. Il soigne les duchesses. Pour moi? Mais je ne connais pas. Vous permettez? Comment? Ne vous dérangez pas. Lis à haute voix. Ah, il faut que je lise. Cher docteur, je vous dois la vie. Ah ben, là, moi, j'aurais confiance dans cet homme-là. Jamais je ne pourrais m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme faible témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un seul coup. Ce sont ceux que je lui ai remis pour payer le tapissier. 4000 francs. Et il met ça tranquillement dans sa poche, hein? Non. Je suis sûr que ses habits en sont bourrés. Ah, quel bon parti pour Frédéric. Il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'Académie? Et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Dites-le! Non. Dites-le! Je ne suis pas ambitieux. Oh, ben alors. Oui, voilà! Oh, mais c'est plein de monde là-bas. Bon, je me retire, hein. Je vais vous faire un pied. Je vais vous donner votre petite ordonnance. Bordeaux, beefsteak, côtelettes. C'est une note de restaurant. Bon. Je comptais lui donner 10 francs, mais c'est bien maigre à côté de la duchesse. Oh, quel beau parti pour Frédéric. Bon, ben, allez, j'allonge mes 20 francs. Il m'a pas vu, hein. Il m'a vu. Voilà. C'était une petite scène.